Jacques? Jacques? Ah! Jacques, merci d'être venu à ce rendez-vous. Merci d'être venu à ce rendez-vous, Jacques. Vraiment, du fond du cœur. Jacques? Jacques, tu es parti? Jacques, si je voulais te voir, c'est parce qu'il fallait que je te parle. Jacques. En fait, Jacques, je voulais vraiment te dire que tu étais mon meilleur ami depuis des années. Et que cette amitié vraiment me tenait beaucoup à cœur, surtout depuis le décès de ma femme. Merci, Jacques. Ça me touche énormément. Et j'aurais voulu avoir tes conseils. Donc, j'ouvre son sac, je prends son cadenas, et il voit rien. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je prends son sac, j'ouvre son sac, je prends le cadenas, et là, je me dis, mais évidemment, je le tiens. Ouais, je le tiens, c'est Jack. Quoi? Non, mais ce qui est chiant, c'est que je te parle, j'ai l'impression que t'écoutes jamais, tu vois? Ça devient lourd, ça devient... T'as entendu ce qu'il vient de nous dire? Oh le con! Oh c'est pas vrai! Parce que tu vois Jacques, en fait, t'es vraiment... Je veux juste que tu m'écoutes, tu es toujours là pour moi, Jacques. Il est en difficulté. Son cœur est brisé. Il faut que j'aille l'aider. Je suis le seul qui s'entend avec lui. Mais moi j'essaie de m'en taper un des trois, ça marche jamais. Quoi? Oui, ça fait 215 épisodes que j'essaie. Et personne ne me croit. Voyons la tentative numéro 18. 3, 2, 1, action. Moi aussi je t'aime. Oui. Et la tentative 19 est beaucoup mieux. 3, 2, 1, action. Vous laissez imaginer la vente. Retour au présent, dans la cafétéria. Notre héroïne a un gros gros chagrin d'amour et ça ne s'arrange pas. 3, 2, 1, action. Je t'ai dit que ça s'arrangera pas. Tu connais vraiment pas la recette du tiramisu, je suis désolée. Mais vraiment, je vais vérifier avec ma mère. Je suis embêtée pour ton dîner, avec ta belle famille en plus. Mais flûte, flûte et reflûte, merde. Oui, je pense bien que ce sont des boudoirs qu'il faut pour le tiramisu. Mais tu peux faire aussi au spéculoos. Et coupé.